OK, rebonjour à tous. Re-bienvenue au J'en ai marre show improvisé à l'impromptu. Toujours ce... On est quoi? Mardi, je pense. C'est même plus important de savoir quelle journée on est. On est en direct, donc vous le savez quel jour on est. Moi, je ne le sais plus. J'étais rendu... Imaginez-vous, il y a juste à moi que ça peut arriver, ça. J'étais rendu chez Costco, dans le parking, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de membre. Parce que j'avais sorti ma carte de membre, qui est une carte de crédit aussi, Capital One, en même temps. Parce que j'ai fait un paiement l'autre jour, j'avais utilisé cette carte-là, puis je l'avais laissée sur la table. Donc, là, je me suis retrouvé... là, je revenais à la maison, chercher ma carte, puis là, je retourne. Mais savez-vous, dans le coin, avant, j'aurais été frustré, j'aurais tempéré, invoqué tous les saints de la terre, puis là, finalement, je me suis rendu compte que ça me passait 10 pieds par-dessus la tête, je vais retourner à la maison, puis je vais aller chercher cette carte-là. Puis je retournerai, puis en même temps, tiens, je referai un autre live. Parce que, honnêtement, il faut que je vous partage quelque chose. Moi, cette crise-là, en ce moment, ce confinement, ben je dois vous avouer, puis je vais vous faire une confidence, je commence vraiment à m'y habituer, puis je commence vraiment à aimer ça. Je commence vraiment, vraiment à aimer ça. Je sais pas comment vous êtes, là, vous, mais... Je commence vraiment à apprécier ça. Pas de stress. Ceux qui voulaient décrocher du système depuis longtemps, comme moi, ça fait longtemps, j'étais tout jeune. Je me dis, c'est quoi ce mot de système de fou-là? On n'arrête pas de courir après notre queue, chialer contre tout, critiquer contre tout. Puis honnêtement, j'ai ce que j'ai toujours voulu. J'ai plus de casse-tête. J'ai plus de stress. J'ai plus de contraintes, j'ai plus de routine, j'ai plus d'obligations à aller travailler, j'ai plus d'obligations à faire ceci, à faire cela. Le gouvernement nous donne un revenu minimum garanti, 500 $. Avec ta femme, ça fait 1 000 $ par semaine. Les enfants sont à la maison, ça te coûte moins cher. Il n'y a plus de stress, tout le monde fait ses petites affaires. Tu n'es pas coincé dans ta routine, dans ton endoctrinement, dans ton... Puis franchement... C'est probablement la période la plus prolifique et la plus rentable pour moi, dans le sens où ça m'a permis de me retrouver, de me réformer, de vraiment me recentrer. D'échapper mon téléphone aussi. Ça, c'est une chose que je devrais essayer de régler, trouver une espèce de soutien, mais moi, je suis bien cheap. J'aime pas ça, dépenser de l'argent inutilement. Donc ça, c'est comme le meilleur, la plus belle, probablement le plus beau moment de ma vie. Parce que des drames, il y en aura toujours, de toute façon, on ne peut plus rien y faire. Puis savez-vous, j'ai vraiment commencé à apprécier la situation actuelle et le confinement. C'est quand j'ai vraiment décidé, il y a peut-être 2 semaines, de décrocher, de me détacher de mon opinion, de mon envie de tout voir, tout vouloir savoir, tout vouloir commenter, avoir raison sur l'origine, le comment, le pourquoi, de ce qu'on pourra jamais déterminer, jamais prouver. Je peux vous mettre ma chemise ou ma main dans le feu, qu'on sera rendu à 90 ans, vous et moi, et ce fameux problème qu'on a, cette fameuse pandémie, ben, elle ne sera pas résolue, puis on ne connaîtra pas son origine, puis ça va être juste de la spéculation. Puis ça sera encore juste de la spéculation sur qui a commencé quoi, qui a fait quoi. C'est naturel, c'est pas naturel, c'est provoqué, c'est pas provoqué. Et dans 50, 100 ans, ça ne sera pas résolu, puis ça restera une idée conspirationniste non résolue, comme les attaques du 11 septembre. De toutes les théories les plus farfelues, les moins farfelues, puis il n'y en a pas une qui a été confirmée, prouvée, hors de tout doute. L'assassinat de JFK, 60 ans après, on en parle encore, jamais réglé, aucune preuve, plein de théories, rien de prouvé, hors de tout doute raisonnable. Bien, cette crise-là, actuellement, je peux vous dire que mettre ma main dans le feu, sans me tromper, qu'on aura le même genre de débat dans 100 ans, puis il n'y a personne qui va prouver, hors de tout doute, si c'est la Chine, si c'est les États-Unis, si c'est ceci, si c'est cela, puis si c'était fait par ceci ou par cela. Donc,
Vous voulez un conseil, puis j'ai fait ça, puis je suis tellement, tellement... Là, je m'en vais chez Costco. J'ai pas de stress. Ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur de ma vie, je peux absolument rien y faire. Qu'est-ce qui va arriver dans une semaine ou deux ou trois? On n'a absolument aucun contrôle sur ce qui va arriver dans la société. On a un contrôle sur ce qui va arriver dans nos vies. Et moi, je me suis dit, j'ai un contrôle sur ce qui arrive dans ma vie maintenant. C'est probablement la plus belle partie de ma vie où j'ai des vacances, sans stress, payées, chez moi. J'ai même pas d'hôtel à payer. J'ai pas de sortie à faire avec les enfants. Si t'es assez smart, puis assez lucide, intelligent, conscient pour utiliser ce temps-là, pour repositionner ta vie, repositionner ton plan de carrière, repositionner tes affaires. Parce que dans le fond, est-ce que vous avez vraiment envie de retourner dans la vie dans laquelle vous étiez il y a un mois, où vous couriez après votre queue, où vous étiez dans le stress du trafic, en train de courir, en train de compter votre argent pour savoir si vous étiez, si vous en aviez assez pour faire l'épicerie, payer vos comptes. Il n'y a plus rien de ça maintenant, plus de stress. Que du temps pour toi. Donc, si tu veux un conseil vraiment judicieux, tout le temps que tu as pour toi, veux-tu arrêter de l'investir dans des stupidités, dans les nouvelles, dans les réseaux sociaux? Détache-toi de ça. Tu manges toute ton énergie qui t'est donnée là. Ça veut dire que le mois ou le mois et demi ou le deux mois que tu auras eu par la divinité, par la grâce de la divinité, par le hasard, qui fait que tu es décroché du système et en plus que tu es payé, tu auras passé ce deux mois-là sur les réseaux sociaux à écouter les nouvelles, à commenter et à te battre pour essayer d'avoir raison. Et tu te réveilleras deux mois après quand on va recommencer et qu'on retombera dans le même système ou presque, ben tu seras dans les mêmes chaussures, dans les mêmes routines, dans la même vie que tu détestais, que tu conspuais et que tu critiquais jour après jour. Parce que tu n'auras rien fait de bon de ces deux mois-là, tu n'en auras pas profité pour te réformer, te transformer, parce que si tu es insatisfait, si tu n'es pas heureux, puis si tu n'es jamais content, c'est ni la faute du gouvernement, c'est ni la faute du voisin, ni de Pierre-Jean-Jacques, c'est toi qui n'es pas capable de te rendre heureux. Et si toi, tu n'es pas capable de te rendre heureux, il n'y a rien qui te rendra heureux. Donc, honnêtement, moi, je commence à m'habituer à cette situation. J'aime vraiment ça. Honnêtement, là, j'ai vraiment, vraiment pas hâte de retourner à l'ancienne vie, l'ancien régime. Puis j'espère que ça ne reviendra pas puis que ça changera. Parce que là, j'ai tout mon temps pour moi, surtout que j'ai lâché les réseaux sociaux. Ça donne quoi de vouloir toujours avoir raison quand il n'y a rien qui va changer dans la vie des gens, même si tu prétends et que tu essaies de prouver que tu as eu raison sur telle ou telle chose. Pensez-vous vraiment qu'il y a quelqu'un d'entre vous et moi qui est en mesure de pouvoir prouver d'où provient ceci, d'où provient cela, comment ça a été amené à nous, comment ça s'est répandu? Pensez-vous vraiment que dans vos petits salons, que ça... Donc, le conseil que je peux vous donner, détachez-vous de tout ça. Ça va d'abord vous libérer de votre propre opinion puis de votre propre envie de vouloir tout commenter puis de tout vouloir expliquer puis de tout vouloir imposer. Hein? Ça va vous calmer. Vous allez être obligé de vous recentrer sur vous-même puis de constater que c'est vraiment pas si mal, la situation actuelle. Puis même, elle est vraiment... C'est peut-être le meilleur moment, c'est peut-être la seule chance que vous avez dans votre vie qui vous est offerte par le cosmos. Vous êtes financé, vous êtes chez vous, pas de stress. C'est le seul moment qui va... Ça ne se représentera plus jamais dans ta vie, ça. Jamais. Où tu pourras réfléchir en paix, sans le stress, de savoir si tu as assez d'argent pour payer tes trucs. C'est comme deux mois de sabbatique payé par ton union, ton syndicat, que tu n'as pas. Et où tu peux en profiter pour vraiment recentrer toutes tes valeurs, toutes tes perceptions, toute ta vision de la vie. Ta profession, ce que tu as envie de faire dans l'avenir, si tu n'es pas heureux en ce moment, il n'y a rien qui va te rendre heureux. Si tu n'es pas heureux en ce moment, c'est parce que c'est ta situation et c'est ta vie actuelle qui ne te rend pas heureux. Donc, change ta vie. Change pas de gouvernement. Change pas de système.
Emmerde pas les gens à vouloir les inciter à voter pour tel ou tel parti. Lâche la politique, lâche la partisanerie. Puis occupe-toi de toi-même. T'es pas content de ta vie? C'est pas le PQ qui va te rendre plus content. C'est pas le Parti libéral qui va te rendre plus content. C'est pas la CAQ non plus. Il y a juste toi qui va te rendre content. Et là, t'as la chance de tout remettre en question. T'es pris en charge, t'as de l'argent qui rentre, t'as plus besoin de sortir, t'as plus besoin de le courir le matin, t'as plus besoin de te stresser. Profites-en pour changer. Profites-en pour réaliser que tu dois changer. Et surtout, profites-en pour te décrocher des nouvelles. Ça te donne absolument rien. À chaque jour, c'est la même répétition de nouvelles. Moi, je les écoute plus. C'est toujours les mêmes âneries. On te donne le compte-rendu, la mise à jour, le nombre de morts, le nombre de malades. Puis tu sais très bien, tu la connais la date. Il n'y a rien qui va revenir à la normale avant le 4 mai. Donc, prends un break des nouvelles. Puis autour du 4 mai, tu retournes voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que c'est encore la date du 4 mai ou si ça a été repoussé? Puis moi, j'espère que ça va être repoussé jusqu'au mois de septembre. Imaginez, on aurait mai, juin, juillet, août, 4 mois payés chez vous à te réformer, à t'occuper de toi-même, à te recentrer, à te repositionner. Tout ça au frais, pour une fois, au frais du gouvernement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. J'attends vos commentaires. Perdez plus de temps. Lâchez les nouvelles. Lâchez les réseaux sociaux. De toute façon, dans 100 ans, ils vont encore en parler de ça parce qu'il n'y aura rien qui aura été prouvé. Parce qu'il n'y a personne qui peut prouver quoi que ce soit. Encore là, c'est de la manipulation, c'est de l'idéologie, c'est de la partisanerie d'un camp et de l'autre parce que c'est devenu super politique. Puis ça ne règle rien dans nos vies. Puis ça vous fait perdre un temps précieux. Là, vous avez 2 mois, 3 mois financé, payé par le gouvernement. Utilisez ce temps-là pour vous, pour vos proches, puis décrochez. Là, je suis presque rendu chez Costco, puis j'ai ma carte. Donc là, c'est vrai que j'y vais. Je vous dis ça, c'est pour vraiment vous partager le bonheur que j'ai de vivre ce que je vis en ce moment. J'ai eu... C'est le plus grand cadeau de Dieu ou de la divinité ou du cosmos, appelez ça comme vous voulez. C'est le plus grand cadeau. Puis savez-vous quoi? C'est le cadeau qu'il donne à tout le monde. Il n'y a rien d'injuste en plus. Parce que Dieu n'est jamais injuste. Les hommes sont injustes. Les religions qui sont créées par l'homme sont injustes. La politique qui est créée par l'homme est injuste. Mais la vraie dignité n'est jamais injuste. Voyez-vous, il donne à tout le monde la chance de se recentrer, la chance d'avoir une réflexion sur vos vies. Et vous donne même des gens comme moi et plein d'autres qui viennent vous encourager, vous donner le courage d'affronter tout ça pour vraiment changer le cours de vos vies. Puis si on change le cours de nos vies, on va changer le cours de la vie. À plus!